On dit dans Tehilim, et on le dit même dans la Tfila, dans Tehila et David, Karov Hashem lechol koreav, Sher ikrahu behemet. Karov Hashem lechol koreav, Dieu il est proche de tout celui qui l'appelle. Sher ikrahu behemet, mais qui l'appelle behemet. Il y a deux explications. C'est-à-dire quoi qu'il appelle behemet, vraiment. L'explication la plus simple, Sher ikrahu behemet. Dieu il est proche de celui qui l'appelle, mais qui l'appelle sincèrement. C'est que lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu demandes 100% à Kadosh Baruch Hu. Tu ne penses pas que peut-être ton oncle d'Amérique il va t'aider. Ta tante d'Espagne elle va pouvoir t'aider. Ton grand-père d'Israël il va t'aider. Asher Ikraou Behemet. Lorsque tu demandes à Kadosh Baruch Hu, tu demandes sincèrement en sachant qu'il n'y a que lui qui peut te donner. Il n'y a que lui qui peut t'aider. Karov Hashem l'Echol Koreav. Dieu il est proche de celui qu'il appelle. Qui? Qu'il appelle sincèrement. Mais il rajoute le Rav Dessler et il nous dit quelque chose d'extraordinaire. Karov Hashem l'Echol Koreav. Dieu il est proche de celui qu'il appelle. Asher ikraou behemet. Lorsque tu demandes quelque chose à Kadosh Baruch Hu, demande à Dieu ce que je te demande à Kadosh Baruch Hu, donne-le-moi. Si behemet, c'est bon pour moi. Si véritablement ce que je te demande, c'est bon pour moi. Au revoir.